Salut, bienvenue sur ma chaîne. Mon nom est Stéphanie Flynn. Je suis présentement au Coronado Springs à Disney. Aujourd'hui, on s'en va à Magic Kingdom. Donc, je vous montre mon outfit de la journée. Donc, aujourd'hui, robe de chez Zara Mickey avec mes Converse plateforme Bourgogne, mon Lunchfly backpack, puis les bijoux. Joe & Co Goods. Ah, ma bague, par contre, c'est qui dans ma bague? Mercury, je crois. Ouais. Voilà. J'adore mon petit Mickey hat. Fait que c'est parti pour Magic Kingdom. On est en ligne pour notre premier manège de la journée. On s'en va faire les 7 mains. On a décidé d'essayer Genie Plus. C'est la nouvelle façon d'avoir un accès plus rapide à certaines lignes de manège. Fait que, dans le fond, c'était 15 US par personne. Là, l'application nous a proposé d'aller faire Buzz Lightyear, en fait, entre 11h30 et 12h30. Fait qu'on a décidé de l'utiliser. Puis après ça, ben, on va avoir le choix de pouvoir choisir un autre comme Fast Pass. En fait, c'est Genie Plus remplace le Fast Pass d'avant. Fait que je vais pouvoir vous dire là, en fin de journée si on a aimé le fait d'essayer là, la nouvelle application, le Genie Plus. Que sur l'application, la petite sirène, c'était 30 minutes d'attente, fait qu'on va aller se mettre en ligne pour faire la petite sirène.
Maintenant, on s'en va à notre réservation à Be Your Guest pour notre dîner. Thank you.
vient d'assister à la parade. Maintenant, on s'en va faire Pirates des Caraïbes. Spring roll au hamburger. Ça a l'air qu'avec la sauce, ça goûte les cheeseburgers. C'est comme la folie ici à Disney. Fait que je goûte ça à l'instant. C'est vraiment bon! On vient de s'installer là, pour regarder le dernier spectacle de la journée qui est les feux d'artifice au château. Là, on s'est installé un petit peu d'avance parce que tout le monde essaie de se trouver une bonne place. Fait que là, on s'est pogné un bon spot. On est content. Fait que mon top 3 de la journée, en fait, j'ai bien aimé les 7 nains. J'ai aimé voir la parade aussi. Je trouvais qu'elle était vraiment le fun. C'était cool. Faisait super beau. Puis en plus, j'ai beaucoup aimé aussi les nouveaux spring rolls au hamburger. Pour vrai, avec la sauce, ça goûte vraiment comme un Big Mac chez McDo. Fait que pour vrai, c'était vraiment super bon.
Puis bon, je me donne un petit bonus là. J'ai vraiment aimé passer ma journée aujourd'hui à Magic Kingdom. On dirait que tout a coulé là super bien. Il y a juste eu un petit temps d'attente pour un bris au Peter Pan Flight, mais ça a quand même super bien été. Vous autres, les gars, c'était quoi votre top 3, Alexis? Ben, le manège de 7 mains. Tu l'as dit, je pense. Ouais, moi, c'est dans un de mes top 3. Fait que toi aussi. Ouais. J'ai appris Big Thunder Mountain. Ouais, il était cool. Et, ben, tu l'as dit aussi, mais les rouleaux hamburger. Ah, ils sont écœurants. Yup. Moi, en top 3, j'ai bien aimé les hot dogs. Oui, les gros hot dogs de chez Casey's Corner, c'est vrai qu'ils sont bons. Et j'ai aussi aimé les 7 nains et le Big Thunder Mountain. Mon Dieu, bon, on a pas mal aimé dans le top 3 toutes les mêmes choses. Fait que les 7 nains, ça revient. Big Thunder Mountain aussi. Les Spring Roll. Aïe, aïe. Bon, je me suis fait attaquer par une poussette, ça va bien? Bon, ben, sur ça, je vous laisse sur des images du feu d'artifice ici à Magic Kingdom. Fait que je vous dis merci beaucoup de m'avoir suivi encore aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Prochain vlog, Animal Kingdom.